Et bon, je rappelle, on suit le stream de Coréa. Son point de vue. Yeah. We gotta just smash on the two or one guy just playing on B. Allez, ça va être un apparemment un rush. Incon qui appelle au rush, allez, un full commit. J'ai pas bien entendu où si ça allait être mid ou sur un point. We just smash them and then we take control of site and car and then it doesn't matter if they have door. Ouais, donc ça sera sûrement B parce qu'ils disent donc du coup on les smash et on prend le contrôle de la voiture là, de l'endroit où il y a la voiture. Et il dit après peu importe où ils sont, de toute façon on aura le contrôle des deux portes. Allez, on va voir comment ils vont mener ça. Pistol round, hein, je rappelle. Première manche de ce match 5. Plant the bomb at a site. Take B-boy rush. I'm gonna dim a Q, obviously. Allez, Incon sur Jima, Korea sur Saint, Shade sur Runa et Last sur Scorch. Hop, ça smoke mid, ça Q directement le Dima Q sur le site. Mais ils sont ennuyés par le barbelé, on a réussi à push quand même. Est-ce qu'ils vont arriver à prendre le contrôle? Oui, superbe. Magnifique push. Et pendant ce temps-là, vous avez vu au mid, hop, contrôle avec la smoke. Plus après, on a pu rentrer, Lask a pu rentrer rapidement avec sa Scorch. Excellent. Superbe. Superbe move là de SSG. Bon call d'Incon. Bon follow. Et maintenant, il dit on va jouer un peu plus lentement. Incon adore varier en fait les... la pace of the game, la rapidité du jeu. Entre des plays plus rapides et des plays plus lents en attaque. C'est pas quelque chose qu'ils font par contre en défense. Ouais, un jet de couteau de Shade. Tout de suite. Sur le mid. Watch spawn, watch blue. Shade. Et regarde le spawn, moi je regarde le bleu. Deux mid. Et il y en a qu'un qui a pu passer. Ah, il va falloir zoner le deuxième. C'est un green qui a pris une grenade. Go back to spawn, they one guy at my flank. Yeah, there's a guy blue, middle blue. Vous avez vu hein, comment ils appellent les zones, ça c'est mid bleu. Let's go back to spawn, it's 4v3. Allez, on repasse par le spawn parce que c'est 4 contre 3. Il y a plus d'angle hein, de ce côté là, c'est pour ça qu'ils font ça et ça rotate. Allez, attention hein, parce qu'ils sont que 3 Omni, mais ils ont bien compris la rotation. Regardez, ils sont déjà en B. Hein, ils sont... Et ouais, alors du coup, Korea qui rappelle le mid, qui rappelle mid A. Let's go, who has bomb? Et s'y attendez. Yo, who has bomb? Allez, superbe défense, hein, Domni, on a vu. Ils ont anticipé la première rotation vers B. Donc ils se sont retrouvés en avance par rapport à SSG. Alors, ils ont moins de chemin à parcourir parce que SSG est parti par le spawn. Mais derrière, ils ont pu rotate plus facilement. Et ensuite, ils ont pas. On les pensait qu'ils allaient partir complètement sur le point et prendre leur position là-bas. Mais non, ils sont restés sur mid.
Et ils se sont dit, ok, il y a quand même une chance qu'ils retournent sur A. Et ils ont gagné leur 3v4. Ouais, encore un pic. On se fait prendre encore un pic, hein. Yeah, two pushing your left, two pushing your left, two pushing your left. Oh, yeah, bonne, bonne Q de Dima là, Rincon, il va pouvoir se faire raise. Non, 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 impossible, il y a la grenade. Encore tombé Shade, c'est fait. Vous voyez qu'il laisse pas, hein. il laisse pas revivre. Quand vous faites un down en démo, il faut qu'il meure, hein. Et c'est tout le problème, hein. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut aller le faire le raise et quand est-ce qu'il faut pas aller. Là, il a décidé de ne pas le faire, vous voyez, parce que ça l'aurait mis à découvert. Donc, imaginons qu'il arrive jusqu'à son partenaire, il va être allez à 30%, 20%, il va se faire charger et dans tous les cas, il mourra. Donc voilà. Il faut être assez smart là-dessus. C'est pas, y a pas de livre, hein. C'est pas facile. C'est vraiment situationnel. Allez, fake mid Gobi, c'est le call. Donc on va faire semblant d'aller au mid et on va aller au B en rush. Allez, c'est parti. Yeah, I'm smoking the doors. Chacun son rôle. Con qui est là pour. Ah, ils ont. He's one. There's another one spawn. Watch out. Allez, 2 contre 2. Dahlia Dallas contre Trench et Saint. One's low. Ah, le Mamba! Et oui, c'est le Mamba! Bien joué ça! Hachette qui est tombé! Coréa qui fait le doublé. Il prend pas la cloque. Non. Il va prendre la cloque et il va prendre la clé mort. Allez, ils vont smoker mid et ils vont rusher par connecteur A. Voilà, le smoke. Impeccable. Donc là, ils peuvent pas les voir. S'ils tirent un peu au hasard, ils vont essayer de prendre le contrôle de A rapidement. Nouvelle smoke. Ah, it's grenaded. I've got the objective. Incon, I'm. Oh no. Eh, la vie qui est en train de zone. Yo, watch our spawn. Can someone watch our spawn? Yep. Yo, zipline. Thanks, man. I'm watching window. I got window. Another thing now. Last got one in the back. Last got one in the back. Album. Who's watching window? Deploying lethal. You okay? You okay? They rushed in through window. They got two here. Dahlia is down. I got one down. Yeah, last one sight. He's gonna be rezzing the Dallas. Ah, ils sont. Il dit que le dernier, il est en train de rez, mais ils sont zone hein, par le poison, mais ils ont réussi à l'avoir quand table, même. Table, il reste plus que Dallas. On envoie le rez. GG. 3-2 pour SSG. Et GG le Makocha pour ton level up. Can we move it back to a B rush?
EMP doesn't work on 5 thing, right? No, it does not. Hey, Shay, do you have a smoke? Icon qui qui dit allez, on refait un rush B, mais on fait un fake mid. Apparemment deux en défense. Allez, on smoke le mid. Double smoke pour les deux portes. On peut pas utiliser le res, hein, le MP là. Le MP qui a empêché le res. C'est 2v4. Ouais. Ah, cette Q de Scorch est vraiment très 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 longue. Après, sa grenade est un peu loin, je pense. C'est un incendiaire, mais bon, après, un V4, hein. Il joue pour les $500, plus qu'autre chose. Allez, Dahlia pour Incon, Talon pour Las, Trench pour Korea. Et Ronin sur Shade. Pour Shade, pardon. They like pre-naming that. B Korea, go B. Stop the enemy from planting the bomb. Allez, Korea Incon sur B, les deux autres sur mid. C'est le call. Allez, le barbelé directement. On prend le contrôle des deux endroits, c'est-à-dire la pièce où il y a la voiture. Plus. Las, le site. Ouais, pas mal de choses qui sont tombées là. Yo, one's fire. Un EMP pour détruire le... Two fire. Un EMP pour détruire le barbelé. La Dimaq. Et on se rapproche, hein, middle. On a pris la position pour SSG. 4v3 maintenant. He's right here. Ouais, bon poche. Encore une fois, hein, on a vu l'importance du contrôle des zones. Contrôle du mid parfait pour de la Seize et de Shade. Et contrôle du point par Incon et Korea. Les deux pièces du coin et le mid. I got double smokes, double frags, I got my DMR. Don't like three of them playing controller though. Ah, la Dahlia, hein, qui toujours avec le trench, hein, pour avoir double gadget. Okay, me and same thing. Just watch those smokes, give me something crazy. They're doing 2-2 this time. Allez, même stratégie apparemment. Incon qui annonce le 2-2. Également pour l'équipe qui attaque. Ah, le contrôle du mid cette fois. C'est un dot pour SSG. Et c'est le rush. Allez. Encore une fois. L'équipe qui a gagné le contrôle du mid sur cette map a remporté le round. Et ils sont contents parce qu'ils peuvent prendre ténacité. You wanna go for the double DMR on him? Yeah, I'm done. I'll drop a trophy in case they need. Y'a pas mal de grenades en face, hein. Entre le Dima et la Dahlia.
No, no, but you could go for the pre-nade. Because you could set it up before they can even get a shot off. Utility. One here. Two. Okay. Dallas down. Nice. You suck. One coming. One HP, I'm moving on it. One tap fish. He's down as well. Got him. Yeah, Dima's there too. He's got one HP, he's not dead. Yeah, Dima's last one, display. Et ils ont pris le contrôle du mid encore, plus le contrôle de du point. Nice. Et voilà, on change pas. Celui qui gagne le contrôle du mid sur cette map gagne le round. It's not. Everyone uses DMR in competitive. I think mid range plus guns are mandatory, like AK. AK is actually really, really bad against DMR. Allez, on va prendre la régénération. I would cook that nade a second earlier. Yeah, yeah, cook the nade 1 second earlier. C'est intéressant. Mais il y a personne. Ils sont tous en A du coup. Il faut prendre le contrôle du mid, il faut rotate. Donc là, rotation de l'équipe B vers le mid et rotation de l'équipe mid vers le A. Logiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, c'est assez bien exécuté. 2 mid, 2 dans le back. La bombe qui est plantée, bien sûr. On défend pas A, on défend mid et B. Beaucoup de barbelés ici. Alors on a trouvé la bombe, on sait où ils sont grâce aux dards de talon. Il y a un V1 qui se joue dans le back. Il est perdu par SSG. Whitecode qui a perdu son 1v1. Et bon move d'Omni et de Gringo sur ce 10ème round. Because you get increased damage range, which is actually like important. Okay, I'm Lincoln 3, let's go. 5-5. Yeah, it looks like it. Yeah. I'm gonna go mid with them. Ah, ils pensent qu'ils vont refaire la même strat. Donc ils envoient 3 personnes sur mid cette fois. Yeah, there's a guy left side. Dallas low, queuing. Yeah. You guys can win this. 2v2, 1v1, 1v2, 1v2. They just got res. Nice. Bien joué. Et voilà, contrôle du mid. Ils ont réussi à repousser le push. Et ça fait 6-5. On hésite à prendre l'armure. Et ça y est, c'est fait. Korea qui prend l'armure, les 25 HP supplémentaires. Je rappelle, à partir du prochain patch, cette armure pourra se régénérer. Donc, mais là, elle ne se régénérera pas. Allez, c'est mid. Mid, c'est gagné. Le contrôle du mid. Une élim. Deux down, on redirige par derrière. Ouh, et belle victoire pour SSG dans ce match 5. 7-5. GG.